Salut la bande de nazes. Le rocker des GPU est de retour. Alors comme ça, on ne veut pas de maths GTX 1630? Pas de problème, j'ai mieux pour vous. Je vous ai dégoté une RTX 4090 Ti. Vous allez voir, elle dégomme tout. Allez, c'est parti des cocos pour la belle démo. Qu'est-ce qui se passe là? Rallumez. Eh oh, y'a quelqu'un là? Rallumez. Monsieur Ryan, que pensez-vous de l'affaire Roe versus Wade qui secoue les États-Unis? Eh bien, à ce propos, je voulais parler de mes deux chats. Il y en a un qui s'appelle Mimi Furukawa et l'autre Kiku Spencer. Ils sont adorables tous les deux, mignons comme tout. Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle actu du geek. Alors, grande nouvelle, le livre est arrivé. Et oui, il est arrivé de l'impression. Je parle du Crépuscule des Profanateurs. Mon nouveau roman est arrivé. Donc pour ceux qui l'avaient précommandé, eh bien vous allez l'avoir dans la quinzaine. C'est-à-dire qu'effectivement, je vais le dédicacer parce que je suis 3 jours aux Imaginales ce week-end, vous savez, à Épinal, au Festival des Imaginales. Je suis 3 jours là-bas, donc je vais le dédicacer là-bas. Si vous passez d'ailleurs sur le festival, n'hésitez pas à venir me voir sur le stand de Elixiria, voire du Chat Noir. Je serai peut-être un petit peu aussi au stand du Chat Noir. Si vous ne me voyez pas, eh bien écoutez, vous pouvez demander, si vous êtes pressé bien entendu, vous pouvez demander aux éditeurs d'Elixiria de me passer un coup de fil, je leur laisserai bien entendu mon numéro de téléphone et je viendrai en courant vous retrouver. Sinon, comme vous avez vu, un petit peu d'humour, ça ne fait jamais de mal, et oui, même si c'est sur fond de vérité, en parlant bien entendu de Nvidia et aussi de Jim Ryan, l'affaire Roe versus Wade, et oui, malheureusement, il est intervenu. Là aussi, dans ma dernière vidéo, si vous regardez, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit que Sony n'était jamais meilleur que quand il se taisait en termes de communication. J'ai eu toujours un peu des problèmes avec Jim Ryan, en particulier sur sa communication. Jim Ryan s'est pris un peu les pieds dans le tapis. C'est assez intéressant sur le fond et sur la forme. On avait parlé beaucoup de Phil Spencer. Est-ce un mauvais patron? Vous avez vu pas mal de vidéos là-dessus. On peut se poser la même question finalement sur Jim Ryan. On va parler aussi rapidement d'un téléviseur TCL, le nouveau modèle. Il a l'air juste sublime. Je vais vous décrypter pour vous un petit peu ce qu'il possède. On va un petit peu parler de Intel rapidement, le XESS en particulier, Super Sampling. C'est un peu la cata quand même pour Intel en ce moment. Et je vais également revenir rapidement sur du process, sur le prix du process. Samsung, rassurez-vous, ce sera rapide et c'est toujours très intéressant parce que le prix des APU, GPU, CPU risque de fortement augmenter et bien d'ici quelques mois. A tout de suite. Alors, pourquoi est-ce que je dis que j'ai raison? Et oui, ça m'arrive parfois, en particulier pour Nvidia RTX 4090. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, on l'annonçait à 600 watts, la RTX 4090, la RTX 4090 Ti, 900 watts. Et j'avais fait une émission où j'avais dit ça. Pour moi, effectivement, la RTX 4090 devrait tourner plutôt autour de 450-500 watts, ce qui sera déjà beaucoup. Elle dépassera peut-être cette valeur par rapport, je vous rappelle, à une RTX 3090 qui tourne autour de 350-360 watts. Pic, attention, je parle des modèles Founder Edition, je ne parle pas des modèles overclockés. On verra si j'ai raison ou si j'ai totalement tort. Et oui, j'ai annoncé 450 watts et ce chiffre n'est pas tombé au hasard. Attention, bien entendu, c'est sur du process 4 nanomètres chez TSMC. Si c'est sur du process 5 nanomètres, voire 6 nanomètres, ça ne marcherait pas, bien entendu. Mais sur du 4 nanomètres, eh bien effectivement, j'avais fait des calculs et je tombais à peu près sur ce chiffre de 450 watts qui est annoncé maintenant. Et oui, on est passé de 600 watts annoncé il y a plusieurs semaines à 450 watts. C'était assez évident avec une nouvelle architecture où bien entendu les performances seront améliorées par rapport à la puissance consommée avec ce process réduit qui consomme quand même beaucoup moins que le 8 nanomètres de chez Samsung de l'époque. C'était évident que cette RTX 4090 tournerait plutôt à 450 watts, 500 watts. Ce qui ne veut pas dire que je la prendrai, ce qui ne veut pas dire que je trouve ça normal. 450 watts, c'est juste énorme pour moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je vous l'ai déjà dit, moi je prendrai des cartes qui feront moins de 250 watts en consommation, ce sera déjà largement suffisant, surtout sur les futures gammes RX 7000 et RTX 4000, je pense qu'on aura une belle puissance déjà de disponible. Ah, le XESS, et oui, le super sampling de Intel, il devait arriver dans un jeu, Dolmen, un jeu RPG, TPS, troisième personne. On verra ce que vaut le jeu, on verra s'il amène son lot de surprises ou si c'est un énième TPS RPG action. Mais ce qui m'intéresse là-dedans, ce n'est pas trop le jeu, on verra le jeu en lui-même ce qu'il vaut, mais plutôt que le XESS va être finalement reporté cet été. Il devait y avoir dans ce jeu normalement le FSR 1.0, le FSR 2.0 sera implémenté dans le jeu cet été. Il y avait tout de suite le DLSS 2.3, et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait tout de suite le XESS. Donc, comparatif, bien entendu, entre les trois directement, ça aurait été très intéressant pour voir chaque super sampling, ce qu'il valait face à la concurrence.
Il aurait fallu attendre, bien entendu, le FSR 2.0 du côté de AMD. Mais là, et non, XeSS ne sera pas là tout de suite, probablement cet été. Pourquoi ? Parce que ça demande du temps aux développeurs. Et oui, ça demande du temps aux développeurs pour implémenter le XeSS dans leur jeu, dans Dolmen. Et donc, comme il n'y a pas de carte graphique Arc Alchimiste actuellement, elles sont retardées, eh bien, je pense qu'ils ont dit, on va reculer le XeSS, on va privilégier le DLSS 2.3 pour les cartes Nvidia, qui sont bien présentes, et bien entendu, pour le reste, AMD, FSR 1.0 et bientôt FSR 2.0. Intel, quand même, il pédale un petit peu dans la semoule côté GPU pour l'instant. J'espère que leur future gamme de GPU sera bien meilleure dans l'avenir et qu'on aura enfin une vraie concurrence. Petit tour du côté de chez Samsung, qui a annoncé qu'ils allaient augmenter de 15 à 20% le coût de production de leurs plaquettes de silicium dans l'année à venir. En fait, ils rejoignent TSMC, TSMC qui a déjà augmenté de 20% et qui va augmenter de 10% le coût de production des plaquettes de silicium en 2023. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement que ces deux entreprises comptent investir massivement pour la construction de nouvelles fabs de plaquettes de silicium, de nouvelles usines de plaquettes de silicium. Et donc pour ça, ils veulent beaucoup d'argent pour rester les premiers, en particulier TSMC, qui est devant pour l'instant Samsung et Intel, mais Samsung, avec son nouveau type de transistor, pourrait très bien doubler TSMC. D'ailleurs, ils ont annoncé qu'ils allaient faire du 3 nanomètres dès cet été en pré-production. Le 4 nanomètres, ils ont quelques problèmes de rendement actuellement, mais ça s'améliore, ce qui veut dire qu'ils rattrapent petit à petit TSMC. Et donc, Samsung veut de l'investissement massif pour rattraper TSMC. Moi, je dis que c'est très très bon. Je dis que c'est très très bon parce que la concurrence, comme vous le savez, ça a toujours du bon et ça permettrait à terme de faire baisser le coût des plaquettes de silicium si la concurrence était plus présente. Petit tour côté téléviseur, TCL C93, un nouveau modèle mini LED. Vous savez que TCL, fabricant chinois de téléviseurs, sont les premiers dans les mini LED grand public. Ils ont sorti un téléviseur qui est juste exceptionnel pour un prix quand même tout à fait correct pour du haut de gamme. Surtout par rapport à la concurrence, Samsung par exemple en mini LED. Ils ont sorti un modèle avec 12 000 mini LED, visiblement plus de 1000 zones, donc un booming quand même fortement réduit. 144 Hz, c'est le premier modèle officiel 144 Hz. Il y a eu un modèle de testé par Vincent de HDTV Test Samsung qui montait visiblement à 144 Hz, mais celui-ci, c'est officiel, c'est-à-dire que vous pourrez brancher votre PC et monter jusqu'à 144 Hz, 144 FPS sur cet écran, sur ce téléviseur. Téléviseur 65 pouces, qui possède toutes les normes, comme d'habitude, HDR, HDR 10+, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, etc., etc., qui pour le gaming est bien entendu tout à fait paré, HDMI 2.1, VRR, l'auto low latency mode, bien entendu, avec des temps de latence réduits, temps de réponse également, il faudra les mesurer précisément, mais aussi le FreeSync, et oui le FreeSync de AMD. Ce qui fait que les cartes Nvidia et AMD, puisque les cartes Nvidia sont compatibles FreeSync, eh bien vous pourrez bénéficier du FreeSync, c'est-à-dire de l'équivalent du VRR avec votre PC sur ce téléviseur. La colorisation n'est pas en reste, 16 bits de colorisation au lieu de 12 bits, c'est-à-dire une colorisation étendue, et attention, 2000 nits en pic de luminosité, ce qui permet de profiter pleinement du HDR. Le son aussi n'est pas en reste, Onkyo bien entendu, 2.1.2 avec des graves renforcés. Et vous allez me dire, mais tout ça, cet appareil merveilleux, combien coûte-t-il ? Eh bien, il coûte, en 65 pouces, 1900€, moins 200€ de la part de TCL. Alors, je vous préviens, ce n'est pas du tout une vidéo promotionnelle. Je n'ai pas l'écran chez moi, hein, je ne le recevrai pas. C'est simplement que je trouve l'écran très intéressant. J'ai toujours trouvé Hisense et TCL très intéressants sur les écrans. Je vous rappelle que Hisense a également un modèle un peu similaire, le U9H, pour 2000€, un peu plus cher, 120 Hz, mais qui a l'air également très intéressant côté mini LED. Donc en conclusion, ce modèle existe en 65 pouces et 75 pouces. Il est intéressant de regarder les tests à venir. Je regarderai bien entendu pour voir s'il tient toutes ses promesses. Et il existe un remplaçant du C825 de l'année dernière, le C83. Je regarderai un peu plus en détail les données techniques qui lui existent en 55, 65 et 75 pouces et qui bien entendu est moins cher. Alors je ne vais pas revenir sur l'affaire Roe versus Wade. Vous en avez entendu parler par de nombreux youtubeurs en particulier. Juste pour dire effectivement que la communication c'est important et je trouve que Jim Ryan, personnellement, a quelques problèmes parfois, je dis bien parfois, avec la communication. C'est ce que je dénonce, je ne suis pas anti-Sony, anti-PlayStation, regardez mes vidéos, vous verrez que souvent je prends leur défense en termes de jeu, en termes de service. Le PlayStation Plus par exemple, j'en ai reparlé, les nouveaux services PlayStation Plus, je trouve ça pas si mal que ça personnellement. En termes de console, je crois que j'ai pris souvent la défense de la PS5, mais en termes de communication, désolé de le dire, j'ai quelques problèmes avec Sony, parfois. Et en l'occurrence, Jim Ryan, là, aurait mieux fait de se taire. Alors sur le fond, il n'a pas totalement tort. Il est vrai que, effectivement, est-ce qu'une entreprise
peut prendre la parole au nom de tous ses salariés sans les consulter. C'est-à-dire que Bungie a pris la parole effectivement pour défendre finalement le droit à l'avortement aux États-Unis. Mais qui c'est qui a pris cette parole? C'est-à-dire c'est les dirigeants. Est-ce que les employés ont tous été consultés? Ou alors est-ce que c'est marqué dans la charte au moment où on va signer son contrat de travail, les valeurs de l'entreprise? Est-ce que c'était marqué dans les valeurs de l'entreprise? Dans ce cas, les employés étaient au courant. Sinon, ça veut dire que la direction prend la parole pour tous les employés sans les consulter. Donc sur le fond, Jim Ryan n'avait pas totalement tort. Mais sur la forme, c'est un peu désastreux de la façon dont il communique. Et c'est pour ça que je fais un peu d'humour en disant, on a parlé de Phil Spencer en disant qu'il était peut-être un mauvais patron. Certains ont dit ça parce qu'il y avait report de jeu et qu'il n'était pas assez ferme envers les studios de Xbox. Est-ce que Jim Ryan, il n'a pas un petit problème également côté communication? Alors je voudrais revenir effectivement sur l'essai intéressant de Digital Foundry sur Trek to Yomi. Je vais le résumer, Trek to Yomi, très très bon jeu, visuel très intéressant, une DA très intéressante, mais qui a un gros problème de performance. Et oui, c'est un jeu qui n'est pas du tout optimisé, surtout sur les nouvelles consoles, surtout vu ce que doit demander le jeu en termes de performance, ce qu'il consomme en termes de performance. Normalement, c'est un jeu qui devrait tourner parfaitement en 60 FPS. Ce n'est pas du tout le cas. Il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de chutes de framerate. Et avec le VRR actif, eh ben oui, ça cause quand même problème, parce que si on descend en dessous de 45 FPS sur la PS5 ou 40 FPS sur la Xbox, eh bien, on a des bégaiements majeurs. Et c'est là où je voulais en venir. La différence entre les consoles, on en parle beaucoup en termes de hardware, mais l'essentiel, c'est bien le soft. C'est le soft et l'optimisation, c'est des kits de développement, c'est l'apprentissage par les développeurs des machines qui au fil du temps amèneront des jeux de bien meilleure qualité. Et Trek to Yomi échappe un peu à cette règle et c'est bien dommage. Je trouve qu'il faut optimiser un jeu avant de sortir, parce que là, le conseil de Digital Foundry, c'est que vous devriez prendre la version PS4 Pro pour jouer sur la PS5 pour être en 60 FPS stable. C'est un petit peu quand même dommage. Donc effectivement, comme je l'ai toujours dit, optimisation, optimisation, optimisation. Et vous verrez que la différence hardware entre les consoles passera au second plan. Voilà, cette vidéo est terminée. J'en profite dans l'espace communauté de la chaîne, sous l'onglet communauté. Je vais mettre un nouveau message où vous pourrez faire une FAQ. C'est-à-dire vous pourrez poser vos questions, une foire aux questions. Parce que si j'attends bien entendu les 17 000 abonnés, ça risque encore de prendre pas mal de temps. Et je me suis dit, tiens, je vais faire une petite FAQ. Je répondrai à quelques questions parmi celles que vous allez poser. Si vous en posez aucune, ce sera très facile. Si vous en posez beaucoup, je devrais choisir. Mais je vais répondre à quelques questions. N'hésitez pas, des questions techniques, des questions diverses. Ça me fera toujours plaisir de répondre dans une future vidéo à vos questions. Et ça remet un peu à l'ordre du jour certaines de vos demandes que j'ai pu oublier. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo.